Alors ici actuellement nous sommes dans la maison du Saint-Nicolas. Ici auparavant il y avait un monsieur qui fabriquait des Saint-Nicolas. Mais avant de fabriquer des Saint-Nicolas, il était fermier. Il faisait lui-même son pain. Il vivait vraiment de tout son agriculture qu'il faisait. Et puis à un moment donné, il a commencé à construire des Saint-Nicolas en sculpture, que vous avez vu d'ailleurs à l'introduction. Et du coup, nous allons essayer de communiquer avec ce monsieur qui s'appelle Marcel. Et comme vous pouvez le voir, il réagit. Donc, tous nos GSM ici présents sont tous en mode avion. Et je vais essayer en direct ici avec vous de faire manifester les K2. Les K2 sont des appareils qui permettent de détecter les champs électromagnétiques. Alors Marcel, est-ce que tu es là? Tu peux faire réagir les appareils s'il te plaît? Donc après, ben, alors Marcel, ça fonctionne ici. Tu es avec nous alors? Super. C'est puissant. Est-ce que notre présence te dérange? Visiblement, oui. Je crois que ce qu'il y a dans cette maison aussi, elle est beaucoup plus puissante que dans la maison de l'ange. Parce qu'elle fait bouger tous les trois. Oui. Est-ce que tu veux que nous partons? Visiblement, non. Nous restons alors. Oui, là, j'ai plus. Marcel, tu es là? Il est là. Il est là. Tu peux faire réagir les appareils plus fort, s'il te plaît? Non, pas envie. Je sens vraiment qu'on est là. Marcel. Il y a un courant d'air ici, juste là. Là, juste ici, il y a un courant d'air. On n'a pas un thermomètre? Ouais, il faudrait faire. Est-ce que tu as peur de notre présence, Marcel? Tu as peur? Tu dois pas avoir peur, hein? Tu dois pas avoir peur. Tu peux avoir confiance en nous. D'accord? D'accord. Je vais un petit peu t'expliquer les règles, comme ça on peut communiquer. Quand tu vas dans le rouge, c'est oui. Sinon, tu vas dans le jaune. Tu comprends? Le jaune, c'est 3 petites lumières. Et le rouge, c'est 5 lumières. Tu peux aller sur le rouge, s'il te plaît? Parfois des odeurs différentes qui passent. Ouais. C'est peut-être une impression. Non, j'ai un truc qui m'a caressé le front, mais c'est trop visuel. Marcel, tu es là? Non, maintenant je le sens plus, mais il y a un problème avec toi. Visiblement, il a changé de pièce. Il n'a pas envie qu'on voit de toute façon. Pendant l'enquête, on va pouvoir. Un petit peu balader dans les autres pièces. Ouais, on va balader. Et découvrir, quoi. Parfait. Thank you.
J'ai un appareil ici qui permet de communiquer avec vous. Communiquez, s'il vous plaît. Je vais déposer l'appareil ici. Vous pouvez me parler. Le petit appareil que j'ai mis ici, c'est un K2. Il permet aussi de communiquer avec vous. Si vous vous approchez, nous allons pouvoir établir une communication. Actuellement, il n'y a rien de spécial, malgré que, comme vous avez vu tout à l'heure, le K2 a quand même réagi. Mais depuis lors, il n'y a plus aucune activité quelconque qui se passe. Mais il est sûr que actuellement, je pense que dans cette maison, il s'y passe des choses relativement étranges. D'après les informations que nous avons réussi à récolter plus ou moins, il s'agirait d'un homme. Est-ce que c'est vous qui êtes sur les photos? C'est vous? Je me permets, je touche les photos. Là, je ne les abîme pas, n'ayez pas peur. C'est vous, c'est votre papa, votre soeur, votre maman. Voilà, nous avons été dans le grenier. Je vais maintenant poser la question à Noran, voir ses ressentis qu'elle a eu dans le grenier. Après, quand on y est, je trouve que c'est assez serein comparé à la chambre. D'accord. Voilà. Toi, Yasmine, tes ressentis? Ah, ouais, comme Noran dit, parfois la tête qui tourne un petit peu et puis des frissons. Là, ici, nous sommes au premier étage, nous avons été dans le grenier.
Je préfère que nous allons en bas. Je vais aller en bas alors. Que tu es là, Marcel? Tu es ici, je pense. Je ressens ton énergie, Marcel. Tu peux t'approcher. N'aie pas peur, Marcel. Tu dois certainement te poser des questions. Comment ça se fait que je connais ton prénom? Ben en fait, on me l'a dit. On a fait une petite enquête sur toi. Et apparemment, tu habitais ici avant. Moi, je pense que c'est lui ici. Okay. Il fait 18 degrés. On retrouve un petit garçon blanc sur les photos à chaque fois. On retrouve ici un peu plus grand. Juste là. On voit vraiment que c'est la même tête, même... C'est toi sur les photos, Marcel? Est-ce que c'est toi sur les photos? Oui? D'accord. Tu es le garçon blond? Ok. On a la réponse. Merci. Merci Marcel. Que c'est fou. C'est gentil à toi. Est-ce que tu pourrais essayer de faire réagir l'appareil au milieu? Seulement l'appareil au milieu? Je sais, dingue. Ouais, elle tient aussi. Hein. J'ai des baguettes de sourcier avec moi. Ça te dit d'essayer? Il y a bien quelque chose ici. Ouais, ben c'est Marcel. On espérait. Regarde, je vais sortir ici deux baguettes. En tout cas, ça s'appelle l'énergie négative. Et ça s'appelle des baguettes de sourcier. En fait, le principe, il est simple. Je vais te poser une question. Et je vais te demander de faire bouger une des deux baguettes. Si tu as compris, tu veux bien faire basculer la baguette gauche à ma gauche, s'il te plaît. Il y a un commentaire ici. Ouais, bah il est là. Juste le fait. Ça réagit à fond sur les photos. Allez, encore un petit effort. Je sens qu'il essaye, hein. Ah si, tu peux le faire. Tu peux pousser la baguette, elle ne te fera rien du tout. Vas-y Marcel. Doucement mais sûrement. Bien. Vas-y, tu peux encore pousser la baguette de gauche vers ma gauche, Marcel. Tu peux la faire toucher mon bras.
Est-ce que tu serais la remettre au centre? La baguette de gauche? C'est fou. Tu as quelque chose à dire? Tu essayes? C'est bien. Super, à ton aise. Bravo. Bien. Est-ce que quelqu'un a une question? Non, je suis stupéfait là, parce que je vois. Est-ce que tu avais des frères et sœurs? Si oui, tu peux envoyer la baguette de gauche vers ma gauche. Sinon, tu peux mettre la baguette de droite à ma droite. Un peu bizarre. Je ne sais plus. C'est toi, Marcel, qui a fait du bruit comme ça? Moi, c'est la baguette de droite. Baguette de droite. Est-ce que c'est la baguette de droite que tu essayes de faire aller? Remettre la baguette au centre, la baguette droite. Est-ce que c'est toi qui as fait tous ces Saint-Nicolas? Si oui, tu peux faire aller la baguette de droite à la droite, sinon la baguette de gauche à gauche. Oui, les deux. En effet, ça, oui, c'est oui, ça c'est un grand oui. Voilà, tu peux remettre les baguettes en gauche. Super. Ils sont très beaux, tes Saint-Nicolas. Et j'ai encore une petite question. Il a dit merci, je crois. Enfin, il a fait un pop quand tu as dit ils sont très beaux, tes Saint-Nicolas. Je voulais savoir si c'est toi qui m'avais crié dessus quand on est rentré dans la maison. Si oui, tu peux faire balancer la baguette de droite à la droite de Yasmine. Ben, je t'ai bien entendu. Donc on est bien sortis ce soir-là quand il m'a demandé. Est-ce que notre présence te dérange, Marcel? Comme tu vois, nous sommes pas méchants. Est-ce que ça te plaît? Attends, laisse-lui répondre, s'il te plaît. Ça, je la connais pas. Tu peux remettre la baguette au milieu, s'il te plaît, Marcel. Merci Marcel. À toi Noël. Je te demandais si ça te plaisait cette séance avec les baguettes de sourcier. Non. C'est oui ça. C'est oui, hein, oui. Ça. À droite c'est oui. Attends, regarde les cadeaux comme ils s'affolent. C'est fou. Depuis quand on a mis les bougies, Marcel a beaucoup plus d'énergie. Avec l'ensemble aussi, ça l'aide beaucoup. Est-ce que tu as un message à faire passer, Marcel? Ouais. C'est déjà ça. Marcel, je peux te poser une question?
D'accord. Est-ce que le message que tu souhaites que nous passons, cela concerne tes enfants ? Cela concerne ta maison? Cela concerne ta famille proche? Ça concerne ton frère? Est-ce que ça concerne ta femme? Non plus. Cela concerne ta sœur? Ta sœur. Ok. Ta sœur habite en Belgique? Tu peux faire un grand oui pour me confirmer, s'il te plaît. D'accord. Ta sœur habite au Brabant Wallon? Ta sœur habite à Bruxelles? Ta sœur habite en Flandre? À Charleroi? Pas loin de Charleroi. D'accord. Ta sœur habite Charleroi. C'est bien ça? Tu peux faire un grand oui si c'est ça? Quand je dis Charleroi, c'est le Hainaut. Il faut essayer de trouver l'ordre exact. Est-ce que ta sœur, elle est sur une des photos ici? On dirait que c'est un grand oui, ça. Parce que les cadeaux, ils ont... Ouais. C'est pas quoi les baguettes, je sais pas. Je crois que c'est une des photos qui sont là. C'est ta maman? La photo ici, c'est ton grand-père? La photo ici, c'est ta sœur? C'est puissant. Non? C'est plus ancien. Je sens vraiment les baguettes qui poussent comme ça. Mais c'est pas ça alors. C'est pas... Non, ça c'est ta maman aussi alors. C'est beaucoup plus ancien. C'est ton grand-père, ta grand-maman, ta grand-mère. Arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Une tante, une arrière-tante. Et l'autre baguette, pour confirmer peut-être. D'accord. Il n'y a pas ta sœur sur ces photos, Marcel? Non. Comment on va faire pour retrouver ta sœur? Parce que c'est à ta sœur que tu veux que nous passions un message. Les deux baguettes, Marcel. Marcel, nous allons arrêter la séance et nous reprenons après. D'accord? Merci Marcel.
Je laisse les bougies allumées. D'accord? Ou tu préfères que je coupe les bougies? Non? J'éteins les bougies? Non. D'accord. On laisse tout comme ça. Oui. Bon, alors j'ai trouvé ici des trucs. Une photo d'une certaine Marie-Thérèse Romain. Voilà. Je sais qu'elle est décédée parce que j'ai retrouvé son petit... Attends. Elle est décédée le 28 mai 2002. Ouais. Peut-être un membre de la famille ou je sais pas trop quoi. En tout cas, j'ai trouvé ici sa petite carte avec sa photo. Et bien ça. Alors, le nom qui revient souvent, c'est la famille Verhagen. Et par exemple, tu vois, sur les photos comme ça, il est marqué Verhagen derrière. Donc, je ne sais pas. Peut-être pas lui, peut-être. Je ne sais pas si Mercedes fait cette photo. Mais en tout cas, le petit garçon-là, il ressemble en tout cas. Le petit garçon-là, il revient souvent sur les photos qui sont là-dessus. Ouais. C'est le même petit garçon partout en fait. C'est une photo des années 30, ça, plus ou moins. Plus le modèle. Donc, si ça se trouve, c'est peut-être Marcel Verhagen. C'est possible. On peut peut-être lui poser la question de savoir son nom de famille. Enfin, mais. Pour confirmer. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sœur là-dessus? Peut-être qu'il a un frère, Arthur. Et que Marcel était déjà mort à ce moment-là. Peut-être une demi-sœur. Oui. Ça a été fait à janvier, il n'y a pas d'année malheureusement. Verhagen. En tout cas, cette photo-là, elle revient aussi souvent. Cette photo-là. Ouais. Parce que c'est la photo qui est dans le portrait. La photo du cadre, là. Ouais. Mais ce qui n'est pas très logique, là. Ah oui, non, c'est possible. Voilà. C'est bizarre. Je ne crois pas que c'est des deux animaux qui se ressemblent, non? Avec les oreilles et tout. Au niveau des oreilles, etc. Oui. Mais alors, c'est pas très logique. Alors, est-ce que ce serait pas le papa de Marcel, justement? Alors dans ces photos-là, c'est le papa de Marcel et la maman de Marcel. Exactement. Mais alors, c'est qui cette dame-là? Parce que ça, c'est pas la même dame. Ça, c'est pas la même dame. Non. Ah, peut-être plus âgée. Ouais. Parce que regarde, ils ont pas d'enfants sur celle-là. Et au niveau de la taille, ça correspond à peu près. Elle est un peu plus en avant. Peut-être de leur mariage. Ou il n'y a pas des fleurs. Hein, mais... Oui. Peut-être leur mariage. Ouais, elle a des fleurs. Et aussi, ils ont un enfant. Donc Marcel serait le petit garçon. Enfin, c'est vrai que sur cette photo-là, les parents ils ont l'air un petit peu plus âgés. Pour Arthur le garçon et Marcel le papa. Mais en tout cas, il est fort possible que ça soit la même femme ici que celle-là. Parce qu'il y a là les mêmes cheveux, type de cheveux comme ça. Ouais. Peut-être que Marcel n'était pas eux. Comment? Peut-être que Marcel, c'était pas vraiment leur fils biologique. Il faut chercher loin. Il faudra lui demander à la limite. C'est peut-être possible que peut-être la femme elle a eu un enfant avec quelqu'un d'autre ou une chose du genre. Et en fait on dit sa sœur mais c'est peut-être sa demi-sœur. Peut-être c'est sa demi-maman. Sa belle-mère. Sa belle-mère. Je sais pas. J'ai trouvé ici une carte d'identité de Antoine Verhagen. Tu le connaissais? Tu peux remettre tes baguettes au centre, s'il te plaît. Est-ce que ton nom de famille, c'est Verhagen? Ouais.
plupart des photos ici montrent des personnes dessus au nom de Vararen. Est-ce qu'ils étaient très proches de toi? Les deux baguettes? Ouais, ça sent mal. La température a augmenté de 1 degré. Oula. Je sais pas en fait qu'est-ce que je vois. On n'a pas trouvé encore ta sœur sur les photos. Est-ce que ton nom de famille c'est Romain? Non. Ok. Tu peux confirmer un nom? Avec la deuxième baguette? D'accord. Alors, j'ai d'autres noms ici sur la liste. Ouais. Ah, mais écoute, j'essaie de trouver. Les deux cadeaux. Est-ce que ton nom de famille, c'est peut-être Register? Ça me semble être un nom anglais, ça. Ok, est-ce que peut-être ton nom de famille c'est Colpin? Ok, non plus. Ouais, bah écoute. La famille Romain, c'était la famille de ta femme? Tu peux confirmer avec la deuxième baguette, s'il te plaît? Est-ce que la famille Romain, c'était la famille de ta femme? Plus fort. Je vais les remettre au centre, s'il te plaît. Ok, attends. Est-ce que tu peux remettre les baguettes au centre, s'il te plaît? Est-ce que la photo sur le portrait, c'est Arthur Verhagen? Mais tu vois, il est frustré parce qu'il essaie de dire un truc avec les cadeaux et tout, et je sais pas. Tour Joseph Laurent, Théon Odier, on a pas fait tous les autres noms. Avec la vente, avec la garantie de droit libre, hypothèque, les circonstances. Eugénie Joseph Verhagen. Mais tu vois, le nom Verhagen, il n'arrête pas de... Cultivateur, ça doit être ici. Je ne sais pas qui est cette Marie-Thérèse. Nous avons besoin de ton aide, Marcel. Seul toi peux nous aider. Est-ce que c'est toi et tes parents sur cette photo? Je vais peut-être devoir passer en infrarouge bientôt. Ah. Essaye de communiquer avec les K2. Ouais. Marcel, tu peux arrêter s'il te plaît? Arrête de jouer avec les K2 s'il te plaît. T'écoutes pas là.
qu'il est frustré. Ouais. Il est frustré parce qu'il essaie de nous dire quelque chose, il n'arrive pas. On va essayer de trouver une solution pour communiquer avec toi, mais il faut que tu arrêtes de jouer avec les cadeaux. Maintenant, s'il te plaît. Alors voilà. Merci. Miette. C'est un oui ou un ça, non ? Est-ce que tu avais deux sœurs? Deux sœurs. Je sais pas un truc. C'était des demi-sœurs? Donc c'était pas tes vraies sœurs? C'est assez logique parce que dans les photos il n'y a qu'un garçon. Ouais. Ouais, ok. Donc c'était une famille recomposée qui habitait ici. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de ta famille qui est vivant ici en Belgique ? C'est un nom catégorique. Okay. Carrément. Est-ce que tu essayes de rejoindre ta famille dans l'au-delà? Est-ce que ce sont... C'est le fait de laisser tes sculptures ici? Tu sais quoi? Est-ce que tes sculptures, c'était pour quelque chose d'important? Tu les as fabriquées pour un événement ou pour un... Ouais, ok. Sur le Ravel, avant, il y avait des sculptures de Saint-Nicolas. Je me trompe? Les deux baguettes, s'il te plaît, Marcel. Les deux baguettes. D'accord. Est-ce que tu aimerais qu'en fait, on fasse nous quelque chose de tes sculptures? Est-ce que ces sculptures, c'était fait pour décorer la route et pour surtout faire plaisir aux enfants qui habitaient dans le coin ici? Est-ce que tu aimerais bien qu'on les remette au long de la rue? Et après tu partiras à la lumière, rejoindre ta famille? Belle question. Est-ce que tu aimerais que nous t'aidions? D'accord. Alors c'est très facile, Marcel. Tu vois les trois bougies? Il suffit simplement que tu ailles dans la bougie. C'est la lumière. Tu dois aller là, tu dois aller à la lumière.
dois être en paix. Pour être en paix, tu dois être serein. Devant toi, tu as la lumière. Accepte ton chemin de vie et va vers la lumière. La lumière est ton chemin que seul lui pourra t'offrir la paix et la joie. Accepte la mort comme il se doit et retrouve les tiens. Va vers la lumière, Marcel. C'est là-bas que tes frères et ta famille et tes proches y sont et t'attendent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es encore là, Marcel ? Il est parti. Tu crois ? Ouais, il est dans la lumière, je pense. On a l'air. Tu peux pointer les baguettes vers Noran. Je crois que c'est très bizarre ce qui se passe maintenant. Vers Eric. C'est moi. Vers moi, Damien. En tout cas, elle est très intelligente. Il peut se passer pour Marseille. Il faut vraiment être prudent. Mais là, il a réellement répondu. Si questions. C'est toi, Marcel, tu peux faire réagir les cadeaux, s'il te plaît. Ça réagit différemment maintenant. Ouais, c'est ça, en fait, qui m'inquiète. Faut être prudent. Et moi, j'arrête pas d'avoir des chatouilles dans la nuque et tout, alors je bouge tout le temps. Marcel, je suis pas sûr que ce soit toi. Fais réagir les cadeaux comme tout à l'heure. Vas-y. Si tu ne fais pas réagir les cadeaux. J'ai entendu quelque chose derrière moi aussi. Et toi après ça a entendu derrière toi. Ouais. Aussi. Moi aussi. L'ambiance a un petit peu changé, j'avoue. J'ai un gros courant d'air froid ici. Passons un peu ta main au-dessus du téléphone. Je crains qu'on n'ait plus affaire à Marcel, alors soyons prudents. Ouais, je crois que c'est plus Marcel en fait. Dans un genre de choses, j'ai perdu un ami à un an. Regarde la caméra, regarde. C'est bizarre, c'était pas comme ça il y a 2 secondes, l'image. Voilà les amis, l'enquête se finit. Nous avons donc réalisé un petit rituel. Malheureusement, pendant un moment, nous avons été confrontés par un esprit plutôt malveillant. Mais nous avons fini le rituel. Le mauvais esprit est parti. Il n'y a plus du tout de réaction au K2. Ce qui est déjà une bonne chose. Donc je vais passer ici en revue toutes les personnes qui sont ici présentes ce soir, Yasmine, Erikos et Noran, qui vont vous expliquer leur ressenti. Bon bah voilà, on a quand même réussi à libérer Marcel, qui voulait juste une chose, c'était de retourner voir sa famille dans l'au-delà. Évidemment ça m'a pris d'un coup, mais j'ai eu un petit moment émotionnel, parce que je crois que sérieusement c'était vraiment ce qu'il voulait. Et je crois aussi que... Il aurait aimé qu'en fait on prenne ces statues, qu'on les remette sur la route pour rendre hommage à lui et à sa famille en fait finalement.
Alors, il a fait ces statues-là pour décorer la route et surtout pour rendre les petits enfants heureux. Voilà. Maintenant, je me sens beaucoup mieux, en fait. Et ben voilà, ben ça fait longtemps que je n'ai plus fait d'expérience paranormale, hein, vu que nous avons perdu un ami à un an un peu pour cette cause-là, quoi. Donc j'ai un peu arrêté tout ça. J'ai commencé à avoir des doutes aussi beaucoup, et aujourd'hui, ben voilà, j'ai quand même vu quelque chose de solide qui me redonne envie de recommencer, je vais dire. Mais d'un autre côté, très très prudent. Parce que quand on appelle ce genre d'entité et tout, il faut vraiment être très prudent, ça peut être extrêmement dangereux. Il faut vraiment faire attention. On ne sait pas qui répond, en fait. Parce qu'il y a des entités maléfiques, enfin, appelons ça par son nom, un démon, tout simplement, qui tente à nous faire du tort, hein, autant aux entités décédées qu'aux vivants, quoi. Je crois qu'en faisant... essayant de faire partir Marcel, il y a peut-être quelque chose qui a réussi à rentrer. C'est possible aussi. Ou qu'il était sous l'emprise de quelque chose. D'où le fait qu'il est resté ici. Ouais, peut-être. Ouais, c'est possible. On a vraiment senti une différence au niveau de la température et il faisait beaucoup, beaucoup plus froid en fait, juste après le départ de Marcel, on va dire ça comme ça, parce qu'on a vraiment eu cette impression de départ pendant tout un moment pour ensuite avoir tout un chamboulement en fait. Donc, et vraiment au niveau du chamboulement, on a eu un froid pour ma part en tout cas. Et une énergie beaucoup plus forte parce que ça faisait bouger vraiment les baguettes dans tous les sens et il ne savait même plus dire qui on était alors que Marcel savait bien nous distinguer Yasmine, Eric, Damien et moi-même. Donc fort en tout cas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ici, bah, comme nous pouvons voir, tous les appareils sont calmes. Il n'y a absolument plus rien. Vous êtes prêts pour une nouvelle aventure ? Yes, c'est parti. C'est parti.